C'est dans un jardin avec les décors très chinois. On avait tourné ça à Vincennes, je sais plus dans le, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le jardin oriental ou quelque chose comme ça. Il y avait une forêt de bambou, ça collait exactement avec l'ambiance du titre, quoi. C'était chouette. Il est laid, il rit en citron. On a tourné l'Ifong de Hong Kong près d'une pagode ou quelque chose comme ça, donc c'est dans les jardins de Vincennes. Et après quoi, en deuxième titre, on a tourné Choisir son camp, quoi. Les deux le même jour, oui, parce que le principe de Scopitone, c'est de, en quelques heures, de tourner très vite et puis de les mettre tout de suite en ligne. J'aime bien justement ce côté un peu à l'arrache, spontané, où les idées apparaissent sur le moment, sur le vif. Monsieur, je ne suis pas celle que vous croyez. Pas les pommes, s'il vous plaît, de ma gorge éthérée. On a tourné le premier en plein jour dans C'est sur les tombes, dans une espèce de ruine dans la forêt, quoi. Il y avait un peu l'aspect ancien cimetière, disons, pour danser sur les tombes. Et de l'autre, la nuit approchant, on a fait ça, allume-moi, on l'a fait à la lumière de phares de voiture, quoi. Je me souviens que j'étais en talons et que on était dans le gazon, que j'avais les talons qui se plantaient dans la boue et que je manquais de tomber toutes les deux secondes, c'était marrant. Je crois que la voiture qui a servi de projecteur donc pour le film a eu des problèmes de batterie, quoi. Donc je ne sais pas après comment, je me souviens plus comment ça s'est remis en. Toujours y a des petits soucis, mais on rebondit. David a toujours plein d'idées à apporter. Ainsi parlait la princesse à son pays. Ainsi brûlait l'air de cœur de noir désir. J'ai aimé tout le rock'n'roll dans les années 60-70. À l'époque, il n'y avait pas de clips, quoi. La vidéo, ça n'existait pas vraiment. Donc il y avait les anciens Scopitone. Et en général, quand on voyait des trucs à la télé, je sais pas, soit les Beatles ou je sais pas, je me rappelle de Mango Jerry ou T-Rex, des choses comme ça, c'était des trucs tournés assez rapidement. Il n'y avait pas tout un tas d'effets spéciaux, bien entendu. On demandait au groupe d'avoir un look, d'avoir une prestance, et puis c'est tout, quoi. Et puis un bon titre, quoi. Si tu tiens à moi, si tu tiens à moi, yeah, yeah, yeah. Si tu tiens à moi, oh, emporte-moi. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est ça qui est bien, quoi, dans les Scopitone, c'est qu'à chaque fois, David nous emmène dans des endroits, enfin on arrive à trouver des endroits hyper hallucinants, quoi. J'ai gagné, j'ai perdu, chaque coup je l'ai rendu, je connais tous les points de la danse. Nous on a joué au cadran, donc c'est là où on vient de tourner, tout recommence.
Le Cadran, c'est un endroit où on a joué autrefois, enfin il y a 2-3 ans. Et c'est aussi, ce fut une salle où, dans les années 60, on jouait Dutron, Jimi Hendrix, des gens comme ça. Quoi. Donc, bon, la salle est aussi un peu fantomatique, enfin à moitié en ruine, à être détruite, hélas. Mais David a pensé que c'était. Qu'ici il y avait quelque chose, une arme, enfin, je suppose, pour son Scopitone. Là, le truc, c'est que tu restes dans le bain. Quoi. Donc, du début à la fin, en 2 heures, c'est clos. Quoi. C'est parfait. Comme format, parfait pour l'époque. Je n'aurai qu'à servir, car ma vie va changer. Voilà ma chance que tu me donnes.